Internautes, aujourd'hui je vais vous parler d'un appareil qui est formidable, qui s'appelle le Slim Calculator. Alors Slim Calculator, c'est quelque chose qui va pouvoir vous permettre dès aujourd'hui d'attaquer différents régimes. Alors je vais vous montrer les différents régimes que j'ai. Le premier régime qui intéresse beaucoup de monde sera le régime amaigrissant. Deuxième régime, j'ai un régime de séchage. Voilà, régime de séchage. Troisième régime, un régime de sèche et de fonte des tissus. Et dernier régime, un régime de prise de masse maigre. Dessous, vous avez une petite case qui est choisissez votre type de journée. Alors, vous avez des journées hypercaloriques, des journées hypocaloriques et des journées moyennement caloriques. Alors les journées hypercaloriques, c'est avec les journées où vous allez plus le manger. Les journées hypocaloriques, les journées où vous allez le moins le manger. Et les journées moyennement caloriques, bon bah c'est quelque chose qui est entre les deux. Hein. Voilà. Alors l'avantage de ce tableau, pour le moment, vous me dites à quoi ça sert tout ça. Alors on va partir sur un régime amaigrissant qui s'adresse à beaucoup de gens avant l'été. Vous cliquez sur régime amaigrissant. À ce niveau-là, je clique dessus. Après, on va partir, aujourd'hui on va être très sévère, sur une journée hypocalorique. Donc nous partons sur une journée hypocalorique. Voilà, pour le moment vous me dites c'est bien beau, mais qu'est-ce qui fait de formidable ce tableau? Eh bien je vais vous montrer. Le but, je tape votre poids, vous entrez votre poids. Vous venez de la balance, on va partir sur un individu qui pèse 80 kg, 83 kg. Vous entrez 83 kg. Alors vous voyez, régime amaigrissant. Hypocalorique, 83 kg. Je clique dessus, calculer. Automatiquement, qu'est-ce qui se passe? Vous allez, vous voyez en haut, vous suivez ma souris, total journalier conseillé, 1422,62 calories. Réparti avec de la protéine, 249 g de protéine, en glucides, 83 g de glucides, et en lipides, 33,20 g. De lipides. Ce qui donne par kilo de poids de corps en calories 17,14 calories, par kilo de poids de corps, protéines 3 g par kilo de poids de corps, glucides 1 g par kilo de poids de corps et lipides 0,40 g par kilo de poids de corps. Déjà vous avez votre base. Après, en nutrition, il faut connaître, il faudrait que vous regardiez, si aujourd'hui vous prenez au petit déjeuner des flocons d'avoine, il faudrait prendre le paquet de flocons d'avoine, regarder derrière les lipides, les glucides, les protéines, ainsi de suite. L'avantage, nous on a pensé à tout, parce qu'on a une base de données dedans. Alors pour vous aider, déjà on a mis une petite liste avec une base de données sur tous les aliments qu'il y a. Il y a plus de 3000 aliments qui sont rentrés. Parce qu'il faut apprendre à ne pas tricher dans la vie. Il y a aussi bien le jour où manger des McDo, ben, il y a les McDo qui sont rentrés, tout est rentré. Hein. Il y a les hamburgers qui sont rentrés, il y a toutes les cochonneries qu'on puisse trouver, les bonbons, il y a toutes les bonnes choses qui sont les sucres très lents, voilà, il y a tout. Alors, comment ça marche maintenant? Alors, je vais vous faire quelques exemples parce que je ne vais pas rentrer dans tous les détails. On va oublier la collation du réveil, le petit déjeuner, parce que normalement, en nutrition, comment ça se passe? La nutrition, c'est un petit déjeuner consistant. Le repas de midi et le repas du soir. Entre tout ça, il y a ce qui s'appelle des collations. Pourquoi des collations? Il faut apprendre à manger pratiquement avec des collations. Il faut que ça soit pratiquement toutes les 3 heures pour pas que les cellules graisseuses aient le temps de s'ouvrir. Donc ça donnerait le petit déjeuner, une collation 3 heures après, le déjeuner, une collation 3 heures après, le dîner, et puis ce qui est merveilleux, c'est de penser à la collation du coucher. Donc je ne vais pas rentrer dans tous ces détails, après vous pouvez prendre un coach ou aller voir sur mon site, il y a plein d'explications. On va parler par exemple du matin. Alors, le matin au petit déjeuner. On oublie collation du réveil, vous voyez, petit déjeuner, je clique sur petit déjeuner. Voilà. Le but, c'est d'entrer un aliment. Donc je vous parlais tout à l'heure de flocon d'avoine. Il vous suffit à ce moment-là d'entrer là les 3 premières lettres de flocon. Vous voyez une liste d'aliments, disons il y a flocons d'avoine, flocons de maïs, flocons de pommes de terre, tout est rentré. Vous cliquez sur flocons d'avoine, tac, je clique dessus. Maintenant il y a 100 grammes là, hein. Donc vous n'avez pas mangé 100 grammes de flocons d'avoine. Nous on va partir sur une collation du matin, sur le petit déjeuner, sur 30 grammes. 30 grammes de flocons d'avoine,
Voilà, j'ai rentré mes 30 grammes. Qu'est-ce que ça va donner? Vous cliquez sur valider. Tac, je valide. Petit déjeuner, 30 grammes de flocons d'avoine. Ça vous donne 112,50 calories. En protéines, 4,5 grammes de protéines. Glucides, 19,20 grammes de glucides. Et en lipides, 1,95. Voilà, vous savez à peu près tout. Vous voyez qu'en haut, sur... Je ne sais pas si vous voyez bien ma souris, en haut, vous voyez que sur 1422 calories, vous avez empiété 112 calories. Sur les protéines, sur 249 calories, vous avez grammes de protéines, vous avez empiété à 4,5. Voilà, ainsi de suite. A savoir que si, je vous montrerai, si vous êtes trompé, on peut enlever, par exemple, les flocons d'avoine, il n'y a pas de problème. On va faire un deuxième pour le petit déjeuner. Je clique sur petit déjeuner. On va taper ce qui est excellent. Alors ça, c'est plus les culturistes qui prennent ça. C'est tout ce qui est blanc d'œuf. Blanc d'œuf. Alors, je parque les trois premières. Bon, là, vous voyez, il y a... Je cherche blanc d'œuf. Je descends un petit peu. Œuf. Blanc d'œuf de poule. On clique. Vous voyez, c'est à l'unité. Donc moi, par exemple, le matin, je vais vous préconiser 8 blancs d'œufs. Je tape 8. Voilà, donc une fois que j'ai tapé mes 8 blancs d'œufs, je valide et automatiquement, vous voyez dans le tableau, œuf, blanc d'œuf de poule, 160 calories, 40 g de protéines. Par contre, vous voyez, il y a quelque chose d'assez impressionnant, 0 lipides, 0 glucides. Et vous regardez tout en haut, le ratio jour, vous voyez que automatiquement, ça, tout se calcule. C'est-à-dire que là, même si vous êtes au petit déjeuner, vous en êtes, alors je ne sais pas si vous voyez petit déjeuner, 272,50 calories, 44,50 g de protéines, en lipides, en glucides, pardon, 19,20 et en lipides, 1,95. Il y a la base qui se fait chaque fois. On va taper une dernière chose dans le petit déjeuner pour vous montrer. Sur le petit déjeuner, je vais marquer, je vais pour terminer correctement un bon petit déjeuner de sportif. Je vais taper jaune. On va parler en jaune d'œuf. Je vais rentrer deux jaunes d'œufs. Je valide. Deux jaunes d'œufs, ça fait quand même 120 calories. En protéines, 5 grammes. Et vous voyez quand même 11 grammes de lipides. Il faut quand même un petit peu de lipides dans chaque régime. Alors vous voyez que par exemple, si vous faites le calcul des lipides, on a le droit à 33,20 grammes de lipides par jour. Et pour le moment, au total journalier, on en est à 12,95. Et si on parle en grammes ou en kilos, en grammes par kilo poids de corps, vous avez le droit à 0,40 et on en est à 0,15. Voilà, on a fait le petit déjeuner par exemple. Maintenant, je peux vous faire un exemple sur le... On va faire un petit exemple peut-être sur le déjeuner. Donc maintenant, on va voir sur le déjeuner. Donc je vous laisserai voir vous pour les collations, ainsi de suite. C'est après à vous de faire votre petite mixture. On part sur un exemple de déjeuner. Donc au déjeuner, on va partir sur du blanc de poulet. Donc je pars poulet. Voilà, trois premières lettres comme d'habitude. Vous voyez, je cherche poulet avec peau, poulet sans peau. Moi, je tape du poulet sans peau. Donc on va partir sur au niveau de la quantité sur 150 grammes. 150 grammes, je fais comme d'habitude, je valide. Poulet sans peau, 150 grammes. On a 186 calories, 33 grammes de protéines, 0 glucides, 6 grammes de lipides. Après le poulet sans peau, on va se faire une bonne assiette de haricots verts. Donc pareil, déjeuner, je vais chercher haricots, première lettre, haricots blancs, ainsi de suite. Là, je tape sur de l'haricot vert. En haricot vert, on va être sur 200 grammes. D'accord, 200 grammes de haricots verts. Je valide automatiquement. Ça me met comme d'habitude mon calcul. Il nous faut un petit peu d'huile. Excusez-moi, je me suis trompé. Donc au niveau de l'huile, déjeuner, tout petit peu d'huile d'olive.
Je cherche huile d'olive. Alors, huile d'olive, vous voyez ici. Donc là, il y a 100 grammes. On ne va pas se taper 100 grammes d'huile d'olive. On va mettre 10 grammes. Vous verrez déjà avec 10 grammes. Ça vous fait quand même 9,99 grammes de lipides. Donc, alors qu'on est à 33 par jour. Hein. Donc, en calculant les lipides de l'huile d'olive et les lipides du jaune d'œuf, vous voyez que déjà, on est à 29,34. Et puis, en dessert, sur le déjeuner, on va prendre du fromage blanc. Fromage. Alors, cherche du fromage blanc. Tout est rentré. Fromage blanc, 0% de matière grasse. Fromage blanc, 20% de matière grasse. Fromage blanc, 40% de matière grasse. Alors, vous cliquez sur fromage blanc, 0% de matière grasse. Et la quantité, on va partir sur 150 grammes. Je valide. Voilà. Il y a le ratio qui est fait. Ça fait qu'on a fait un déjeuner à 394 calories. Dans ces 394 calories, c'est réparti avec 49 g de protéines, 12,50 g de lipides, de glucides, pardon, et 16,39 g de lipides. Voilà, vous avez à peu près compris. Après, l'avantage, si vous êtes bourré à un moment donné, par exemple, sur fromage blanc, 0% de matière grasse, vous voulez le supprimer. Vous avez juste une chose à faire, c'est cliquer sur fromage blanc 0% de matière grasse et vous cliquez sur annuler. Sur valider, pardon. Vous validez, ça vous efface. Huile d'olive, je vous remontre un exemple. On clique sur huile d'olive. Tac, on valide, ça l'efface. Voilà. Après, je vous conseille de... Ce tableau, il est efficace dans la mesure du possible. Ou déjà, ce que je vous conseille de faire, c'est... Vous prenez une journée type de ce que vous mangez d'habitude. Vous allez noter sur ce tableau, vous allez savoir exactement le nombre de calories. Mais il y a le vin, il y a tout. Vous tapez si c'est un verre de vin ou deux verres de vin. Je pense que vous allez être étonné. Et c'est là que vous allez voir que vous mangez souvent très mal. Voilà, et après il y a une liste d'aliments. Et puis vous cherchez dans la liste d'aliments, vous faites votre petite mixture. Les premiers jours, c'est très dur à s'en servir. Mais après, le but, c'est que vous pouvez vous faire des journées types. Et je vous promets que ce soit en prise de masse ou en régime amaigrissant, surtout en régime amaigrissant, si vous le faites correctement, vous allez avoir des résultats sensationnels. Voilà, je vous remercie.